climate change being the worst ecological threat humanity is facing. Canada must do its best to fight it, but the government is doing bad. Their plan, their so-called plan, is so weak that it will not even meet its weak targets. If the Prime Minister is serious about cooperation, why won't he bring back Bill C-30, the Clean Air and Climate Change Act that he shamefully killed last fall? Of the Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the government has established a clear target for the reduction of greenhouse gases, 20% from now to 2020. This is, in fact, one of the most ambitious forward-looking targets in the world. And, Mr. Speaker, the plans that the Minister of Environment is developing will meet those targets. The Honourable Leader of the Opposition. Monsieur le Président, le Pembina Institute, le Tyndall Center, l'Institut CDR, l'Office National de l'Energie, la Deutsche Bank, la Banque CIBC, la Table Ronde Nationale sur l'Economie et l'Environnement, Al Gore, comptez-les tous en commun, ils ont critiqué le plan du gouvernement comme étant beaucoup trop faible. Que le Premier ministre nous donne donc une seule étude qui louange le plan faible qu'il propose aux Canadiens. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement a établi des cibles claires pour la réduction des gaz à effet de serre, 20% d'ici 2020. Nous avons toute l'intention d'atteindre ces objectifs. Et Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle et son parti a adopté ce plan dans le discours du trône l'automne dernier. Honorable chef de l'opposition. Aucune réponse, Monsieur le Président. Le Premier ministre n'est pas capable de nommer une seule étude parce qu'il n'y en a pas. Tous les experts qui se sont penchés sur son plan ont noté ses énormes faiblesses, au point que les pollueurs ne paieront pas, Monsieur le Président. Les pollueurs seront payés. Selon le centre Tyndall, les compagnies pétrolières pourraient profiter d'un gain inattendu de 400 millions de dollars en crédit facile. C'est un plan indigne pour le Canada. Qu'est-ce qu'il faudra pour que le Premier ministre le comprenne? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle, quand il était au gouvernement pendant une période d'une décennie, a échoué de présenter un plan efficace pour atteindre des cibles qu'il a mentionnées. Monsieur le Président, 10 ans sans un plan que lui à mettre en œuvre. Monsieur le Président, nous avons l'intention de poursuivre en détail un plan qui va atteindre nos objectifs d'une réduction de 20% d'ici 2020.